Mm, bonjour et bienvenue ici le Sti, bienvenue sur la chaîne de la luxure et regardez. Awesome. Oh. Anything else? Uh... Yeah, uh, Free Hong Kong, Revolution of our Times. Okay. Sounds good to me. Et voilà, donc, euh, eh bien Alan Brack euh, l'avait dit qu'il allait laisser aux gens la liberté de s'exprimer, de dire ce qu'ils voulaient au sein. C'est arrivé. Alors ils ont maintenu, euh, ils ont maintenu la, le Q&A, hein, comme on dit en Croatie, la question-réponse, la session de questions-réponses aux développeurs pour World of Warcraft Shadowlands. Et pendant la session de questions-réponses, eh bien il y a euh, quelques personnes qui donc devaient poser des questions et qui ont Parler évidemment de Hong Kong, hein, il fallait s'y attendre. Notamment le, le gars avec le t-shirt rouge, hein, ça, on a l'habitude maintenant du gars au t-shirt rouge qui pose des questions assez, euh, assez bizarres. Il y en a eu, il y en a eu d'autres. Hein, voilà, ça il y a un article, un article qui est parti dans, dans Dexerto hein, qui euh, qui récapitule un petit peu tout ce qui s'est passé. On a notamment euh, cette personne aussi qui, pendant carrément, ah oui, c'était pas une question qui était posée, est carrément venu euh, devant la scène. Uh, so anyway, the, uh... The identity of the mysterious jailer being unknown and somewhat a new figure in Warcraft Low. Uh, is there a possibility that there'd be a character we know is connected? You got question, Free Hong Kong! Okay. All right. Thank you. Thank you. Voilà, le froid glacial de la, de la salle, c'est quand même assez impressionnant. Bref, donc voilà, il fallait, il fallait absolument s'y attendre, hein, ça s'est passé. Euh, donc voilà, c'était euh, juste, juste pour dire ça, c'était prévu, euh, ils ont laissé. Euh, donc euh, très bien. Et voilà, les gens sont, sont exprimés. Et bah, encore une fois, hein, c'était... Euh, fallait, fallait vraiment s'y attendre. Euh, je, je tiens à profiter aussi de cette... Euh, de cette petite vidéo pour, euh, pour eh bien, exprimer une espèce de, de mini droit de réponse sur ma précédente vidéo sur, euh, sur Blizzard, où là où je détaillais un petit peu les, les excuses pour que je, que je trouvais complètement vide euh, de Alain Braque et je n'étais pas seul d'ailleurs, il me semblait. Euh, donc voilà, parce que sur cette vidéo, eh bien, vous avez été un petit peu plus nombreux que d'habitude à me critiquer. Bon, j'ai toujours un lot de critiques, Alors, des fois c'est quand même des échanges, c'est virulent. <laughs> Enfin des échanges non, en général je réponds plus aux insultes. Bref. Et euh, en gros, un grosso d'eau la plus grosse critique, c'était euh, Lusty, arrête d'en parler, tu en fais trop, il faut laisser la politique en dehors du euh, jeu vidéo. Alors, euh, donc je vais, euh, à ceux qui m'ont fait cette remarque, je vais vous répondre et pour dire que je suis... Entièrement d'accord avec vous les gars, mais complètement en dehors, des entièrement d'accord avec vous. Il faut laisser la politique en dehors du jeu vidéo, en dehors des compagnies de jeux vidéo. Pour moi, les compagnies de jeux vidéo ne devraient pas euh, faire de politique, mais mais c'est justement ça qu'on leur reproche à Blizzard. C'est parce qu'ils ont fait de la politique qu'on n'est pas content. Et oui, et c'est pour ça euh, les, si vous voulez, quand ils ont, euh, c'est pas lusty qui a banni euh, Blizztung euh, un an, euh, qui l'a traité. Comme comme, un, comme une sous-merde, euh, carrément, c'est un truc qui s'était jamais vu, juste pour une petite entorse, un règlement, c'est-à-dire parler d'autre chose euh, que du jeu euh, lors d'une interview Hearthstone, euh, c'est du jamais vu de se faire punir pour ça. En général, même il y a plein de mecs qui parlent d'autre chose, ils parlent de leur famille, ils parlent de leurs trucs. Euh, euh, ils peuvent parler de, je sais pas, ça aurait pu être de la politique positive, même en disant, voilà, j'adore euh, ce que euh, le, la politique de... Euh, euh, comment dire de nouveau euh, soutien médical de ce pays c'est fantastique moi bon, voilà, ça aurait été une entorse aussi c'est positif mais là voilà, il aurait été il se serait pas pris exactement la même punition et c'est là c'est là c'est parce que justement Blizzard a fait de la politique qu'on n'est pas content c'est pour ça et qui reviennent derrière en juste euh, le bannissant un petit peu à moitié bah c'est toujours de la politique quand ils ont rebanni euh, les trois gars qui ont mis juste un panneau euh, pendant leur game euh, pendant leur jeu sur hearthstone c'est de la politique politique aussi pour moi et c'est ça qu'on leur reproche en fait c'est justement que Blizzard en enfin, face et pour ça qu'on n'est pas content euh, que d'ailleurs ils soient toujours banni que Alan Bragg vienne nous dire que les gens sont peuvent exprimer tout ce qu'ils veulent qu'il faut nous rassembler euh, que le jeu vidéo on est juste là pour s'amuser et pour s'amuser entre nous d'où qu'on vienne c'est tout à fait vrai je suis entièrement d'accord avec lui euh, c'est bateau mais je suis entièrement d'accord par contre les mecs ils sont toujours bannis eux par contre, ah non, ils n'ont pas le droit de jouer avec nous. Eux, non, c'est des pestiférés. Voilà. C'est ça qui est très dommage. Je rappelle aussi que les trois employés de chez Blizzard qui ont publié sur leur compte, euh, trois employés chinois qui ont publié, euh, c'est bien fait ce qui s'est passé. Je résume, hein, ce n'est pas les mots exacts, je résume. Euh, c'est bien fait ce qui s'est passé, soutien à la mère patrie, la Chine, voilà. Eux, ils sont toujours là. Hein. Eux, ils n'ont pas été inquiétés, ils n'ont rien eu. Des employés de Blizzard ont fait euh, des, euh, comment dire on fait une, une déclaration très politisée. Euh, ce qui normalement, ce sont des représentants de l'entreprise. Normalement, ils auraient dû se faire taper sur le doigt parce que justement, Blizzard ne devrait pas s'occuper de politique. Eh bien, il n'y a rien eu. Encore une fois, Blizzard là fait une, un choix politique dedans, et ça, ça, ça déplaît énormément. Vous avez raison, ils devraient rester en dehors de la politique, mais ils ne le font pas. Et pareil, quand Alan Brack dit que leur seule faute ça a été la latence ou justement juste le moment où ils se sont exprimés, bah non, ils continuent à en faire parce que qui dit pour lui que eh bien, tout ce qu'ils ont fait euh, en dehors de ça, c'était bien, c'était juste. Alors que non, encore une fois, les employés, là, rien, il n'y a même eu aucune réponse. Quand euh, on m'a dit aussi, ça faudra que je vérifie par contre, euh, mais c'est possible que eh bien, le gameplay qu'ils ont mis, qu'ils ont montré de World of Warcraft, c'était le gameplay euh, censuré, euh, de, tu sais, les censures des, des squelettes et tout, euh, qu'ils ont fait une spé version spéciale pour la Chine. Euh, ce qui voudrait dire que peut-être qu'on aurait une seule version, ce qui moi et ma théorie depuis longtemps, c'est qu'à l'avenir, eh bien on n'aura qu'une version, ce sera la version euh, la plus censuré comme ça ça plaira à tout le monde enfin ça passera dans tous les pays là ça moi ça me gêne énormément parce que on a notre jeu vidéo qu'on apprécie et modifié pour à cause des règles d'un autre pays dont on se fout éperdument parce que justement dans notre jeu vidéo, moi quand je joue à un jeu vidéo, je n'ai pas envie de faire de la politique. J'ai pas envie qu'on me euh, qu'on me censure euh, le jeu auquel je joue juste pour des raisons d'un pays dont je me fous complètement où j'habite même pas. C'est ça le problème pour moi, c'est ça Blizzard euh, qui fait de la politique justement et c'est ça qu'on ne veut pas et qu'on a envie de leur faire comprendre qui devrait pas s'en mêler. Donc voilà, c'est ça, c'est juste voilà. Donc voilà, c'était mon euh, petit droit de réponse aux personnes qui vont lancer des critiques euh, sur ma précédente euh, vidéo. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On verra bien comment la Blizzcon continue à, à faire euh, faire parler. J'ai pas regardé les, les encore les news. Il y a des grosses news de jeux vidéo. J'ai vu qu'ils avaient mis un, en place un système de leveling assez euh, assez nouveau dans World of Warcraft. On verra et puis on verra sur sur Diablo 4. Et ce sont les deux jeux moi qui, auxquels je, que je connais le plus, on va dire, le monde de Diablo et le monde de World of Warcraft. J'ai jamais touché à Overwatch, donc euh, je pourrais pas trop trop en parler. Mais bon, ça a l'air intéressant, d'autant qu'apparemment, euh, j'ai appris qu'ils allaient faire les... Euh, on, on savait qu'ils allaient donner, enfin qu'ils allaient que les joueurs de Overwatch 1 pourront avoir accès aux maps d'Overwatch 2. Et apparemment, ça serait gratuit. Donc, euh, bah écoutez, si c'est le cas, très très bonne nouvelle. Voilà, allez, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Amusez-vous bien et à très bientôt. Si tu ne veux pas perdre ton âme, like cette vidéo et abonne-toi maintenant.